Yo les gars, c'est Jeffrey, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le 20e épisode de ma carrière joueur. Déjà, un nouveau palier d'accompli, comme quoi ça passe vraiment vite. Et souvenez-vous, lors du dernier épisode, j'étais de retour à mon prime parce que vraiment on avait fait un très très bel épisode. Notamment, on avait commencé, je crois, avec cette victoire contre Nottingham Forest 1 à 0. Où j'avais marqué, je crois. J'avais également marqué un doublé face à City, victoire 2-0. Une victoire face aux Wolves, 5-0. Il me semble que j'avais mis les 5 buts également. Et enfin, cette victoire face à Villarreal en Ligue des Champions. 8e de finale, aller chez eux en plus. Donc vraiment, ça nous donne un très gros avantage pour la suite. Et c'est super, vraiment, épisode parfait. Et j'ai retrouvé de la confiance, j'espère que ça va suivre encore aujourd'hui. Aujourd'hui d'ailleurs le programme c'est quoi? C'est Newcastle à l'extérieur. On ira une nouvelle fois à l'extérieur, cette fois-ci à Anfield en coupe, en Emirates FA Cup. Donc je crois pas que c'était la coupe qu'on avait jouée il y a pas longtemps. Et où on s'était notamment qualifié, je crois que c'était la Carabao la dernière fois. Faut voir, on ira voir ça. On aura également Brighton ici à domicile. Et Aston Villa à l'extérieur. Et je sais pas si on terminera par Villarreal ou pas. Ça dépend si peut-être que je sortirai un petit peu avant dans un de ces deux matchs. Et du coup, ça nous laissera un petit peu de place. Je veux pas vous faire non plus des épisodes trop longs pour pas que ça vous saoule. Je sais pas trop, on va dire, ce qui est le mieux. Mais en tout cas, on va partir comme ça. Déjà, on va voir un petit peu. Si le contenu vous plaît toujours autant, les gars, n'hésitez pas à liker cette vidéo. D'ailleurs, ça me ferait super plaisir. Et surtout, le plus important, vous abonner. Comme je vous l'ai dit, ça monte en flèche en ce moment et ça fait super plaisir. On va faire un point classement. Du coup, on est toujours troisième. Ah ouais, égalité avec Manchester United, quasiment deuxième. Et les Spurs sont premiers avec 59 points. Donc, vraiment, il y a de quoi faire. Et il y a le temps pour finir premier, on va dire. Je voulais également faire un tour du côté des infos. On va juste continuer jusqu'au match déjà. Hop. Ça, c'est fait. Putain, encore une offre. Real Valladolid. Non, je ne pars pas. C'est pas possible, il s'arrête pas. Je sais pas ce qu'il lui faut pour qu'il m'enlève la liste des transferts, l'entraîneur, mais franchement. Donc ça, c'est le doublé face à Villarreal. Joueur de la compétition. De la Carabao Cup. Ok, c'est déjà fini la Carabao. Alors on avait été éliminé, je sais plus. Ah, je sais plus du tout. En tout cas, c'est Thuram de Everton. Je sais pas si c'est Marcus Thuram. Jeffrey dans le collimateur de Valladolid, mais non. Une nouvelle victoire. Point d'interrogation. Ben, on espère. On est parti. On a toujours les mêmes joueurs. Cucurella, du coup, qui reste dans la défense centrale, Thiago Silva qui a repris une place de titulaire apparemment. Et le reste, c'est du classique qu'on connaît. Attention à cette équipe de Newcastle qui peut faire mal. On va voir un petit peu ce que ça va donner sur le terrain. Allez, il va falloir être chaud, faire les bons choix. Allez, oula ouais, Guimarães qui joue contre son ancien club. Force à toi mon frère. Pas mal l'iPhone. Hein. Allez, on est parti les gars. Ok. Pourquoi pas? La première action de ce match. Belle combinaison, Sterling. Dommage. Bien joué. Cette passe de Sterling. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Oh là là là. Ré, dommage. Ok les gars. Fin de cette première période. Vraiment très pauvre en occasion franche surtout. Beaucoup de conservation pardon, de ballon et de perte de ballon également. Donc on va essayer de continuer, voir ce que ça va donner. Ouh là là, la barre sur ce corner, putain. Et attention. Attention à ce nouveau ballon. Oh là 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 là, Mendy. Putain, c'est pas possible, j'ai pas réussi à la prendre et ça nous coûte le but. Ça nous coûte le but sur un millimètre. Mais vraiment,
sur l'ensemble de ce qu'on propose, c'est mérité pour eux. Vraiment, on fait rien. On fait rien, on retombe dans nos travers encore une fois. C'est malheureux, Adela. Si je m'arrache, j'ai ce ballon et on part peut-être en contre-attaque. Et au final, c'est eux qui marquent derrière avec Isaac. Comme quoi, ça se joue sur des détails. Petit ballon. Encore pour moi. J'y vais. La feinte comme d'habitude. Derrière. Encore. Oui, l'égalisation. Il est pas hors-jeu. Havertz qui vient là en tant que remplaçant. Mais qui se bat comme à chaque fois et qui marque. Ça, ça fait plaisir. Enfin, une action construite, les gars. Il a fallu attendre les 10 dernières minutes pour qu'on puisse ouvrir le score. Enfin, en tout cas pour nous. Parce qu'il avait déjà ouvert. Là, la fin comme d'habitude qui est passée de peu. Et le bon décalage de, je sais pas si c'est Berardi. En tout cas, Havertz qui finit très bien une touche en se tordant le pied. Mais qui finit, ok. Bien joué. 1-1, les gars. Pourquoi pas aller mettre le second, mais ça va être compliqué. Allez, je tente ce ballon. Je me bats. Allez. Allez, pourquoi pas. Je vais essayer de centrer. Il est pas mal. Il est pas mal. La passe décisive. Berardi, on en parlait dans le dernier épisode qu'on voyait moi. Et là, une passe D. Et un but incroyable. Là, on peut tous se sauter dessus. Parce que j'ai pas cru. J'avais raté un petit peu ma passe. Au final, je la récupère. On va voir ça. Et le centre est Berardi qui peut être fier de lui. Voilà, j'ai mis du temps à centrer. Elle passe vraiment, mais alors vraiment de peu. Et il est tout seul au second poteau. Incroyable. Belle finition. Le gardien qui a même pas osé bouger. Je sais pas si c'était parce qu'elle était trop puissante, mais en tout cas, incroyable. Septième but et surtout, une victoire pour nous. Et voilà, la fin du match, les gars. 2-1. 86e minute et 90e minute. Incroyable, franchement. Franchement, j'y croyais pas. Je pensais qu'on allait démarrer cet épisode de la pire des manières. Mais au contraire, on peut pas faire mieux avec une victoire comme ça. Riche en émotions. Pourtant, on n'a pas dominé. Hein, c'est le cas de le tir. 5 tirs à 8. 45% de possession. Mais pourtant, grâce à un réveil de dernière minute, ben, on s'en est sorti. Ça fait vraiment plaisir. On va voir au classement est-ce que un des deux Manchester a perdu. On va juste simuler jusqu'à la coupe déjà. Hop. Classement. Donc ça c'est FA Cup. C'est donc le premier tour. On est d'accord hein, pour nous. Il me semble. Ouais, c'était. Je suis quasi sûr que c'était la Carabao qu'on avait joué. Et du coup, c'est Nottingham Forest qui a gagné. Je sais même plus quand on est sorti. Chelsea, où on est. Où sommes-nous? Ah, on avait perdu contre Newcastle. Ah, ouais, ok. Je me rappelle, c'est bon. Ok, ben, faudra tout donner dans la FA Cup pour pouvoir espérer une coupe à la fin de la saison. Ça serait cool. Et du coup, en première ligue, les gars, on disait, on en est où? Ok, ils ont gagné Manchester United, malheureusement. Mais par contre, ah non, ils n'ont pas joué les Spurs, je pensais. Ok. Manchester United, ils ont gagné 3-0. Face à Arsenal. Ok. Bon, ben, dommage. On continuera de pousser. On va y aller pour ce match, les gars. On n'a rien d'autre à regarder, me semble. Donc, on est parti face à Liverpool. Et voici les compos, les gars. Par contre, moi, je suis pas en grande forme, apparemment. Mais on va essayer de faire avec. On a Getruida, du coup, le remplaçant qui avait été pris, me semble. De notre côté, à moins que c'était un défenseur latéral droit, je me souviens plus. Mais sinon, pareil, c'est du classique. Il y a juste Thiago Silva, du coup, qui est pas là. Et de leur côté, très grosse équipe, on connaît. Il y a notamment Frenkie de Jong. Donc vraiment, du beau monde. Ça va être compliqué, mais on va tout donner. On les a battus, je crois, deux fois. Donc pourquoi ne pas les rebattre, hein. Tout simplement, ce serait cool, hein, vraiment, en coupe. Je pense pas que ce soit match aller-retour. Normalement, c'est que aller. On va voir ça. On est là à Anfield pour tout donner. Attention à ce premier ballon. Oh là là, quelle chance ils ont eu là. On encaisse. Putain, c'est pas possible. Ah, oh, je suis dégoûté. Je comprends pas comment ça lui est revenu dans les pieds là. Je sais pas si c'est un contre ou s'il la touche au dernier moment. Ben, c'est un contre et après il est tout seul. Et ouais, putain.
Ah, il fait mal hein, d'entrée de jeu celui-ci, Goretzka. Attention, et attention à ce ballon encore, et on encaisse. Deuxième occasion pour eux, deuxième but, 10 minutes, ils annoncent la couleur, et pour l'instant, pour nous, elle est rouge, et un peu trop. Oh là 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 là, c'est pas possible, Cucurella là, qui a la ramasse complet. Mais attention, et attention encore à ce ballon, oh là là. Ok. Fin de cette première mi-temps, les gars, on quitte le terrain vraiment déçu parce qu'on prend deux buts très vite qui font très mal et vraiment ça s'annonce mal pour la suite. Là, vraiment, ça fait comme le match d'avant, on propose pas grand chose. Beaucoup de pertes de balles de Sterling et de Kanté, surtout dans les dernières passes au moment où on doit déclencher, bah, du coup, la passe clé pour pouvoir marquer, mais là. Ça va pas être comme ça qu'on va gagner, ça c'est sûr. Je sais pas niveau stats ce que ça dit. Ouais, ils sont devant même au stats. Hein. Franchement, rien à dire pour le moment. C'est Liverpool qui doit l'emporter. À nous de changer ça ou pas. Ouh là là, attention. Attention, Mendy. Ah, et je sors les gars. Je sors, malheureusement, je voulais rester jusqu'à la fin pour tout donner, mais c'est impossible, j'avais pas de forme. Et on perd ce match, 4 buts à 2. Ils ont été au prolong ou c'est moi? Non? Oui? Oh putain, ils avaient égalisé. Oh, ils ont perdu aux prolongations. Bon ben, c'est dommage, franchement, ça fait vraiment chier. J'aurais vraiment aimé continuer cette aventure en coupe. Et pourquoi pas arriver au bout, mais là, on sort au premier tour. Malheureusement, on n'aura que la Ligue des Champions et la Première Ligue sur quoi se concentrer. Ça fait chier, mais bon, pas le choix. Pas le choix, faut y aller, comme disait Michael Scofield. On va, du coup, s'entraîner, je pense. Ouais, on va s'entraîner. Hop. Continuer. On va également continuer jusqu'au match qui est que dans 2 jours, putain. La forme, ça va pas aller fort, je pense. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Se racheter contre Brighton. Ok. Ouais, pas grand-chose de fou. Ok, on est dans l'élection du joueur du mois de février. On verra si on remporte ce prix. Il y a également Berardi avec nous, ça fait plaisir. On verra. Qu'est-ce qu'on a d'autre à regarder? Le classement, on l'avait dit, les gars, on est 3e. Du coup, on affronte Brighton qui sont combien au classement? 10e, tout pile. Ok, ben go, les gars, directement, on n'a rien à regarder. On est parti. Voici les compos, les gars. Du coup, encore une fois, je suis mort de fatigue. On voit ça, hein, la forme. Je pense que je vais sortir 60e minute à peu près. Et du coup, ouais, rien de nouveau. On a du Mitoma côté Brighton. Attention, il va falloir bien le bloquer. Parce qu'il est très bon. Est-ce qu'il est si bon dans le jeu qu'en vrai, je sais pas. On verra ça. En tout cas, faut se rattraper. Hein. C'est bien beau d'être le meilleur buteur, mais faut gagner des matchs et se rattraper de ce dernier, surtout, qui m'a laissé un goût très amer. Et attention, ça leur arrive dessus. Oh là là, Mendy qui nous sauve. Heureusement, putain. Ok, fin de cette première mi-temps, les gars. Vraiment compliqué de faire quelque chose avec si peu de forme, je vais pas vous mentir. Chaque accélération, j'ai 3 secondes pour marquer, sinon c'est mort. Donc je me fais rattraper par tout le monde. Franchement, c'est dur. Je suis pas sûr qu'on ait tiré tant que ça. On a eu 2-3 opportunités, mais c'est à chaque fois contré par les défenseurs, du coup... pas si intéressant, on va dire. Je pense même qu'il domine. Ouais, voilà, je l'avais dit, on va essayer de faire plus, mais je vais pas tarder à sortir, je pense. Je suis inutile sur le terrain. Allez, Chilwell, encore, bats-toi, bien joué, c'est pour moi. Je la décale à Sterling. Sterling va finir Sterling juste avant que je sorte. Incroyable, la passe décisive. Ça a été compliqué, on a galéré, mais on le met, Sterling, enfin on le voit dans cette vidéo. Franchement là, ça faisait longtemps qu'il se cachait un petit peu. Il était un petit peu dans l'ombre de tout le monde. Mais là,
on le retrouve, belle aile de pigeon de Chilwell. Après, je la mets bien Sterling qui prend son temps et qui finit, les gars. Il n'y a rien de tel que ce moment pour demander le remplacement. J'ai confiance en mes coéquipiers. Ok, il me fait sortir direct, c'est parfait. Allez, Lukaku, fais-toi plaisir, fais-nous plaisir. Moi, je suis nul, les gars, je vous fais confiance. Si on perd, sera ma faute. Ok, c'est ma faute. Putain, je suis dégoûté. Oh, quand même, oh, 3 buts. Oh non. Ah, j'aurais dû rester, hein, c'était pour faire ça. Ah, c'est pas possible, je suis deg. Ah là, c'est complètement ma faute. Mais bon, franchement, je me voyais mal regarder 30 minutes de jeu. Autant les aurais pris même si je le regardais, mais je sais pas. Franchement, je saurais pas vous dire. On a pris le risque et on a perdu, dommage, hein, parce que là, on se quittait sur quelque chose de très beau. Mais non. Et du coup, on revient à 2 points seulement des Spurs. Mais par contre, enfin, en tout cas, ils ont un match de retard, eux, ça c'est sûr. Mais United, ils ont pas flanché comme nous, malheureusement. Putain, ça fait chier, les gars, je vais pas vous mentir. Je suis un peu dégoûté. On va s'entraîner pour oublier un petit peu tout ça. Mais là, vraiment, ça fait mal. Hein. Au moral. Je sais pas c'est contre qui le prochain match. Aston Villa. Ok, ouais. Putain, j'en peux plus de ces offres de prêt. Arrêtez avec ces offres. Ils vont me proposer des contrats toute l'année. Allez, on arrive au match. J'espère qu'on aura un petit peu plus de forme. Luis Diaz qui est élu joueur du mois. C'est dommage. On aurait pu remporter ce trophée, mais malheureusement, on s'en contentera. Enfin, on se contentera de rien plutôt. Et du coup, ouais, niveau classement, ça a pas bougé vu qu'ils ont pas joué les Spurs. Donc on va partir directement face à Aston Villa. Pas le choix. Ok les gars, match face à Aston Villa après cette dernière défaite encore une fois qui a fait mal. Je suis dégoûté en vrai, mais bon, c'est pas grave, on va essayer de se rattraper. On va jouer du coup face à Roberto Firmino notamment, ok. On va voir ce que ça donne. Ouais. Bon ben on a la même équipe de notre côté. J'ai de la forme, ça c'est le gros point positif parce que vraiment ça nous a manqué. On va voir vraiment si ça va changer quelque chose dans le match. On va voir ça. Allez, faut cette victoire parce que là je suis dégoûté des deux derniers matchs. Allez, on s'en tourne bien. On s'en tourne bien. En retrait. Allez, il faut finir. Oh là là, dommage, première action. Oh non. Oh la perte de balle. Si près de nos cages. Oh là là, Mendy, heureusement. C'est pas mal ce qu'on fait. Allez, j'essaie de le remettre. C'est bien fait. Oh, dommage. Pourquoi pas. Oh là là, quelle tête. Second corner, je vais essayer de la demander vers moi. La tête sur la barre, c'est pas fini peut-être. Dommage. Fin de la première mi-temps, les gars. La fin, c'était un petit peu endormissant, on va dire. Ouais, mais... Je sais pas, il y a moyen, ça se voit. Hein. On a eu quelques actions. Mais ouais, il y en a pas énormément par contre dans le match d'actions. Voilà, 5 tirs à 2. La possession, c'est assez équilibré. Donc, il y a moyen pour eux, il y a moyen pour nous. À nous d'inverser la tendance. Hein. Pourquoi pas? Bien joué. J'y vais. Oh là là, j'aurais pu m'avancer tellement plus. Oh là 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 là. Ce qu'on se prend là. C'est fou les gars. C'est fou. C'est un truc de fou. On fait rien, mais rien. C'est ennuyant à mourir. Ben ouais, ben fais-moi sortir, hein, tant mieux. On casse les couilles ce match. Pff, vas-y simuler, démerdez-vous. Oh là, défaite de 0, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. On ne fait rien. Je n'ai pas de ballon. Sterling. J'ai jamais vu un mec qui perd autant de ballons devant. On peut rien faire en fait. C'est trop les gars. On va s'arrêter là-dessus. Vaut mieux que... Je vais m'énerver pour rien. Et on va perdre le 8ème de finale retour.
Franchement, ça me ferait chier, donc on va s'arrêter là-dessus. On va juste voir qu'est-ce que je voulais voir. Ouais, c'était les points de compétence, on pouvait s'entraîner, mais bon, je crois qu'on joue dans pas très longtemps. Donc je pense pas qu'on va s'entraîner 3 jours, non. Ça sert à rien, ça va nous user, pardon, trop de forme. Je ne sais plus parler dans cet épisode. Bon ben voilà, on va s'arrêter là les gars, vaut mieux. Dommage cette défaite encore, mais on les mérite. Ça fait chier parce qu'on a fait un très bel dernier épisode, mais là, on est en train de tomber bien bas. Donc vaut mieux s'arrêter et reprendre de plus belle pour le 21e épisode. Merci à tous en tout cas d'avoir regardé jusqu'ici. Likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Et moi je vous dis à la prochaine.